Salut à tous! Aujourd'hui, je vais parler en français. Pour les gens qui sont nouveaux, je ne suis pas une youtubeuse française. Je suis anglaise et j'apprends le français. Il y a 5 minutes, j'ai reçu une livraison de nourriture et j'ai pensé que c'était une bonne idée à présenter tous les produits dans une vidéo et apprendre beaucoup de vocabulaire ensemble. En réalité, ce n'était pas facile à faire une traduction pour les produits parce que les noms sont très compliqués et mon petit ami m'a aidé un peu. Normalement, nous faisons nos courses dans un supermarché local. Donc, quand j'achète une livraison de nourriture, j'achète beaucoup de nourriture industrielle. Les produits ici sont un peu mauvais pour la santé. Je vais commencer avec les produits pour le congélateur parce que je dois garder le produit froid. Je vais mettre mon liste de courses dans la description et aussi sur l'écran. Les produits pour le congélateur sont la viande végétale parce que je suis vegan et mon petit ami ne mange pas beaucoup de viande. Donc j'ai acheté un paquet de poulet végétal et un corn. Un paquet de beignets de poulet végétal. Et mon petit ami a acheté un plat préparé végétarien de risotto au poulet corn et à la sauce pesto. Et aussi, il a acheté un paquet de saucisses de Francfort végétarien. C'est pas vegan. Pour mes abonnés qui sont vegan, c'est pas vegan. J'ai acheté un paquet de pâtes cuisson rapide, 3 oignons rouges, une baguette de fraises, un paquet de fromage végétal râpé, 2 pommes jazz, 3 cartons de lait de soja au chocolat, 4 pots de mandarines. Pot. Is that right? Pot. Oh, that's the English one. Pot. Ugh. I don't think that's right. Pot. I'm gonna go with pot. Pot, 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 pot. Donc, vous pouvez laisser en commentaire si vous savez le bon prononciation pour pot. 4 pots de 4 pots de pêche en gelée à la mangue, 2 pots de fromage frais et végétal. 2 pots de fromage frais et végétal, 2 boîtes de pâte à pizza, 6 paquets de pépites de chocolat blanc, 2 paquets de fromage végétal en tranches, un paquet de galettes de riz au chocolat noir, un ouvre-boîte, 4 boîtes de flapjacks. Je pense que flapjacks est la meilleure traduction ici parce que c'est pas un biscuit, c'est pas un gâteau, c'est pas un bas de céréales, c'est vraiment un flapjack. Et flapjack est une chose anglaise peut-être, je sais pas. Si vous savez une meilleure traduction pour flapjacks, vous pouvez laisser en commentaire. Un pain de mie nature en tranches, 4 crèmes dessert végétales au chocolat et 4 crèmes dessert végétales au chocolat noir. J'aime le chocolat, ouais. Pour mon petit ami, un paquet de poulet rôti végétarien corn, un paquet de pâtes tricolores, 4 pots d'ananas dans le gelée, un plat préparé de lasagne aux légumes, un plat préparé de pâtes aux légumes méditerranéens, un flacon de menthe séchée, 4 bouteilles d'eau pétillant saveur citron et citron vert, et finalement 4 bouteilles d'eau pétillant saveur fraise et kiwi. J'espère que vous avez appris un nouveau mot aujourd'hui et dis-moi le nouveau mot dans un commentaire et
À la prochaine. Merci. Au revoir.